c'est bien comme ça là. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Il n'y a rien qui va. Les poses, elles sont dégueulasses. La lumière, elle est dégueulasse. L'angle, il est dégueulasse. Et tu crois qu'on va vendre des programmes? Là, la seule chose que tu vas vendre, c'est un OnlyFans pour des hommes qui veulent voir ton cul. Hein. Ok, salut les guerriers! Bienvenue sur Fitness Fusion. Nouvelle vidéo du dimanche, les gars, où on va apprendre à faire du posing tel des bodybuilders. Non, tel des mecs de la musculation, pas des bodybuilders. C'est un truc de bodybuilder. Non, c'est un truc de mec qui aime bien se mettre en avant. Vous le savez, pas du tout mon truc de faire des poses de body. Kimou, c'est un peu plus l'habitude de poser. Je regarde pas mal le bodybuilding et tout, donc ouais, j'aime bien. Là, aujourd'hui, il va m'apprendre à poser. Parce que moi, vous savez, c'est n'importe quoi. Regardez. C'est la catastrophe. Lève ta tête. Si tu mets de l'ombre sur ton physique, ça rend pas bien. Je te laisse lever. Voilà, donc c'est dégueulasse. Et par contre, Pimous, lui, s'est posé, puis ça donne ça. Non, là, c'est bon, je doute de toi. Là, entraînez-vous jusqu'à style de vous, c'est fini, les gars. C'est... Il est chargé, point. Pimous, il va me donner. Bah, là, tu dis, okay. Voilà, je vais lui donner des chips, parce que moi, c'est mon truc. Et on se retrouve à Fitness Park. Comment tu pues de la gueule avec les crevettes, j'avais oublié. Eh, ne le mets pas, ne le mets pas, je vais me taper des crevettes. Bon, mets-le. Iron Meal, moins 20%. Donc voilà, on se retrouve à Fitness Park, je vais aller lui donner des tips et lui apprendre à se débrouiller un peu mieux à poser. Et je vais aller lui donner du bain de bouche aussi. Je me mets tout nu. Mets-toi bien sous la lumière si tu restes torse nu. Non mais je me mets tout nu. Non, tout tu nu. Restes comme ça. Abuse pas. Ouais, mais les jambes on les monte pas. Abuse pas. Commence pas à te mettre tout nu, on va se faire sortir. Ah, après, bon, on fait pas les jambes, on les monte jamais. Non, on n'en a pas besoin. Fallait te mettre en short. En caleçon, ça va faire très bizarre. Non, j'ai un slip. T'as des bons pecs, t'as des bonnes épaules, t'as des bons bras. Donc on va chercher des poses qui vont mettre ça en avant. Donc là, moi je vais t'apprendre des poses que tout le monde est censé savoir faire. Si tu t'intéresses un minimum au bodybuilding, t'es censé savoir poser. Okay. Et toi, comme t'es un mec, tu t'es entraîné juste pour kiffer. Toi, en fait, tu t'aimais bien, t'es un sportif. T'es pas un bodybuilder de base. T'es devenu un bodybuilder et t'es sur les réseaux. Raison plus d'apprendre à poser. T'es obligé d'apprendre à poser. Est-ce que toi, t'as des poses déjà qui te font kiffer? Quand tu vois des mecs les faire, elles te font kiffer un peu. À un moment donné, quand je mets ces jambes ici comme ça, et genre je suis. Ah, la pose de Saiyan. La pose de Saiyan, voilà. Je sais que tu l'aimes bien. Comme j'aime pas les poses de body, parce que ça fait vraiment bodybuilder et je me sens pas bodybuilder, je fais un truc dans ce genre-là. Hop, où je serre comme ça. C'est une bonne pose en soi. Mais le problème, c'est qu'avec ma tête, je mets de l'ombre aussi sur le torse. Et ça, c'est pas une bonne chose, tu m'avais dit. Mais tu vois, là, je me sens bien. T'es bien, non, t'es ça bien. Ça fait genre, à tout moment. On va se servir de Fitness Park. On va se faire sortir. D'ailleurs, bien merci avancé, à Fitness Park Arras et Enan de nous accueillir pour faire toutes les vidéos là en ce moment. Mets-toi bien sous la lumière. Ok. Donc là, je vais t'apprendre à poser du dos parce que toi, en soi, à part faire ça avec ton dos, faire ça, tu sais pas poser du dos. Le but, c'est pas de resserrer les dorsaux pour qu'on voit les moules et tout. C'est d'élargir le dos maximum pour ressembler à un cerf-volant. Le but, c'est d'être le plus en V possible en musculation. Je me souviens, la V-tape. Tu contractes pas trop tes trapèzes. Pousse avec ta main celle-là pour que tes épaules. Il faut que tu montes le maximum. Voilà. Ouais, ça, c'est les et là, fais comme ça. Voilà. Mes poses, elles, c'était dégueulasse. Vous avez vu, les gars? Maintenant, c'est simple. Fais-moi voir comment tu le fais, toi, déjà. Tu le serres derrière. Tu fais comme si tu faisais un tirage. Là, tu fais comme si tu faisais un tirage comme ça. Et ensuite, tu viens ouvrir. Ok. Et au niveau des jambes, tes jambes tendues ou jambes un peu fléchies? Quadriceps vers l'extérieur. Toi, t'es arqué, donc elles sont de base vers l'extérieur. Tu viens. C'est gentil, ça. Tu viens serrer tes quadriceps comme ça, les fesses. Et tu viens gonfler en fait. Ah, faut serrer aussi les fesses, d'accord. T'as pas de fesses, hein. Bah, vraiment, ton cul est rentré. Jean il est timide, regarde. J'embarquais et pas de cul, ok, on est bien. Tire vers l'arrière, tire. Non, là tu montes en double biceps. Tu montes pas tes bras comme ça. Genre là, tu viens serrer mes doigts, vas-y. Serre. Et là, t'écartes comme pour laisser de la place à mes doigts. Voilà, tu ressors tes dorsaux. Essaye de tendre un peu plus tes bras vers l'avant. Comme ça. Là, t'es comme ça resserré. Ok. Vas-y. Ouvre. Là, c'est pas mal. Hein. Là, ça fait un joli V, tu vois. Là, on voit que ça commence à faire un beau V.
c'est pas mal du tout. En fait, comme les juges, eux, ils sont vers le bas, normalement, tu fais pas ça vers le bas comme ça, tu dois te pencher un peu vers l'arrière. Et ils ont une vue en contre-plongée sur toi, ça veut dire que si t'es penché en avant, bah ils vont rien voir en fait, ils vont voir au-dessus de toi. C'est pour ça que les bodies quand ils sont sur scène, tu vois, ils sont pas comme ça, ils sont comme ça en arrière, ah, pour montrer vrai. Au juge derrière. Vas-y, tu serres et tu ouvres, comme ça on voit la différence. Ouvre, 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 ouvre. Tu conduis une moto, frère ? Je sais pas. En fait, tu fais ça, bien, t'ouvres bien. Mais tes bras, je sais pas ce que tu fais, tu les mets comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu les mets où ? Dans les avant-bras, ils pendouillent un peu, tu vois. C'est vraiment l'humérus qui fait tout. Tu vois ? Et là, ça bouge. J'en ai pas besoin, en fait, tu vois. J'ai l'impression, là, il ressemble à un cintre. Donc là, je le prends. Hop ! Et là, je l'accroche. Vas-y. Tu serres. Là, on voit bien l'esprit. Et boum, tu ouvres. C'est pas mal, là, c'est pas mal. Ça fait un bébé. Et après, je m'inquiète. Là, c'est pas mal du tout, là. On dirait que tu vas faire de la moto. Moi, c'est ce que j'aime pas sur cette pose, c'est quand les bras sont comme ça, on dirait que tu fais de la moto. Quand c'est comme ça, ça fait plus joli, je trouve. Mais tu n'auras pas le même dessin du dos. Ok. Figure suivante. Ça va, elle est pas mal. Déjà, c'est quel côté où tu as les meilleurs abdos ? Droite. Droite, donc tu vas te mettre dans le même sens que moi. Toi, tu vas te mettre comme ça. Tu vas te mettre à gauche, je vais mettre un peu plus à droite, ouais. Comme ça il n'y a pas d'embrouchage. Tes pieds ne doivent pas être comme ça. Tu te mets de profil et c'est que ton corps qui va venir tourner. Tu vas venir faire un quart de tour, tu vas étirer en fait ta ligne abdominale. Est-ce que juste je l'étire, donc je tire vers le haut et je la contracte ? Non. Non, juste j'étire. Juste tu l'étires et tu serres. Okay. Tu te grandis pour affiner comme ça, même si tu as un résidu de ventre, le fait que tu t'étires, ça va venir l'étirer et on ne le voit plus. Okay. Et ça va rendre tes abdos beaucoup plus secs de faire ça. Voilà, quart de tour, serre les abdos, sans trop te pencher, tu les serres juste. Le bras il est chic. Hein. Dans la pose, ça rend pas mal. Hein. Franchement, ça rend pas mal. On essaye de tourner un petit peu plus. Vraiment, venir chercher sur le côté comme ça. C'est le bras là, je sais pas quoi en faire. Le bras, tu laisses prendre vers l'avant comme ça. Ok. Et tu viens serrer. Serrer les abdos que tu les serres. Voilà, là ça rend bien. Ça te donne une grosse taille encore plus envie en fait. Ça vient t'affiner fort ici et ici ça fait fort bombé je trouve. Je ressemble à rien non, et je respire franchement, plus. Franchement là c'est de la frappe. Moi bah, je vais pas te mentir. Ça c'est une des poses que je préfère qu'il fasse. Les gars, est-ce que vous voyez un gars marcher comme ça dans la rue ? Bah non mais gros. C'est pour ça que j'aime pas le body pose. En fait. C'est, je trouve ça bizarre de devoir se mettre comme ça. C'est une bonne pour pose. Pour se montrer. Mais après je comprends. C'est une bonne pose. Le but c'est de faire ressortir un maximum ses muscles. Oh, c'est se mettre en avant. Et là c'est se mettre en avant, voilà. Maintenant refais la même. Remets-toi dans la même position, vas-y. Tu te étires de côté, tu viens te grandir, tu mets ta main ici au-dessus et tu viens serrer les abdos, l'autre main. Comme si tu venais les contracter sur un exercice. Et tu viens serrer les abdos pour faire sortir les obliques et les abdos. Serre devant, serre, 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 serre. Serre les abdos. J'ai mal. Ah, c'est pas encore ça. Mais là, je ressemble à rien. J'ai une main derrière, on dirait que je vais faire l'acteur porno. C'est pas une pose qui est faite pour toi. Il te manque des abdos en bas, en fait. Mais t'as pas les abdos du bas en fait. Si tu veux, on peut essayer, je mets des bouchons, des trucs en dessous de la peau, mais bon. Moi j'avais l'habitude de faire ça, Fulz. Donc là je tourne. Ouais. Et je mets mon triceps comme ça. Et là ça me permet de mieux serrer mes abdos. Mais je sais pas si elle existe. T'as pas un bon triceps pour faire cette pose. Ok, on passe au double biceps. Et là, je commence à comprendre des choses, et vous aussi, à mon avis, c'est que le but, c'est de cacher ses points faibles, ouais. Ses défauts, et de mettre en avant ses qualités, ses points forts. C'est comme il n'y a pas longtemps, on a mis sur YouTube, ils l'ont vu dans l'onglet communauté, une pose de moi et Ibra, moi je suis comme ça, Ibra il est comme ça. Tout le monde a dit qu'il est un peu gros que moi, pourquoi ? Parce qu'il a un gros triceps, voilà. Ça, c'est terminé. Et en plus, Pimous, il y a un segment court, il y a un petit bras, et ouais. Ibra, il y a des longs bras. À ce moment-là, toi, tu avais plié ton bras, donc ça raccourcissait le truc encore plus, alors que lui, il avait son long bras. Plus, il a un très gros point fort triceps, ça m'excite un peu. Hein ? On disait. Fais-moi voir déjà comment tu fais ton double biceps. Montre-moi ta technique. Non, ben non, la zémélisation du feed game, on y va. Non, vas-y, c'est montre-moi bon. Comme si j'allais te prendre en photo, tu dois te mettre en avant pour une photo. Voilà, il veut être le plus massif possible, il se rapproche. Là, ça rend bien comparé à d'habitude. Toi, tu vois la caméra de profil, mais toi ? Franchement, ça rend même d'habitude. Hein.
Franchement, il a un bon physique, non? Franchement, en ce moment, il a un bon physique. Arrête. En ce moment, il a un très bon physique. Bon, voilà les gars pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris à faire quelques petites pauses, que vous aurez eu quelques petits tips de Pimousse. C'est pour ceux qui vont apprendre, à mon avis, que nous leur apprendre. Hein. Ouais, d'ailleurs, on va préciser, on n'est pas des spécialistes. Non, pas du tout. Vous savez, le dimanche, c'est des vidéos fun, on prend des concepts, tout ça. On n'est pas experts là-dedans. Nous, on vous partage juste notre apprentissage. Donc là, vous voyez, on va essayer d'apprendre un peu à taper des pauses. C'était juste cool, on s'amuse en fait, c'était sympa. Voilà, vous avez passé un bon moment. Donc quand ils passent un bon moment, qu'est-ce qu'on fait? On like, on s'abonne, et en plus ils nous ont vu tout nu, ils aiment bien nous voir tout nu. N'oubliez pas aussi tous les codes importants de réduction qui vont nous aider, nous, à développer la chaîne. On est passé à 3 vidéos semaine, et là c'est pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en les utilisant. Moins 25% chez Iron Mill. 20% chez QNT. Le Discord aussi, si vous voulez rejoindre la communauté. Les gars, ça active bientôt les 1000 là-bas. C'est déjà fini. Comment ça, c'est déjà fini? Il est fou! C'était une exclusion. Force et fun. Abonnez-vous. Et je dois faire ressortir quoi là? Tes pectoraux? Tes pectoraux, tes bras, tes épaules, tout, tu dois contracter toute ta partie scapulaire. Et c'est contracté, contracté. Voilà. Ah moi, elle me termine celle-là. Elle me termine. Serre, 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 serre. Et tu remontes en position normale. Voilà. Et là, par contre, tu dois pas serrer vers l'arrière, tu dois. Pareil, faire ressortir tes dorsaux pour les rendre larges en fait. Pas trop. Voilà, t'es dans la même merde que moi en fait. Niveau dorsaux, t'es dans la même merde que moi.